Dans ce module, l'idée, c'est d'essayer de comprendre les différentes utilités des médias sociaux et mettre, si je souhaite mettre une stratégie au niveau social media, en gros, à quoi elle va me servir. L'objectif, c'est vraiment de comprendre que c'est pas, je vais faire du social media, ça va faire un buzz. Je vais faire du social media, je vais avoir des millions de fans, etc., etc. C'est vraiment, là, on n'est pas dans le n'importe quoi, on est dans le concret. On va essayer de voir réellement pourquoi utiliser ces différents médias sociaux? J'ai regroupé à peu près 12 points qu'on va détailler. La visibilité, le référencement, la démonstration d'expertise, etc., etc., etc. Donc je vous propose qu'on y aille directement. Premier point. Le premier point, c'est le fait, celui-là c'est le plus simple, hein, augmenter sa visibilité et donc sa notoriété sur le web. Il est clair qu'en stratégie social media, je peux, du fait d'être présent sur une multitude de plateformes, me créer une communauté. Du fait de cette communauté, j'obtiens de la visibilité et donc j'augmente ma notoriété sur le web. Le problème, c'est la quantité de notoriété. Prenez des sociétés comme Sixt qui s'éclatent en social media avec des tonnes et des tonnes de visuels, tous plus drôles les uns que les autres, plus décalés, ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle de l'embouche marketing d'actualité. Bah dans ce cas-là, oui, on augmente sa visibilité, sa notoriété. Après, pour une PME, c'est quand même plus compliqué, c'est ce qu'on va voir. C'est pour ça qu'il y a d'autres points, finalement, qui sont peut-être à travailler en premier. L'optimisation du référencement de son site internet grâce aux social media. Google a très fortement modifié son algorithme en 2013, notamment, et on a tout un pan qui a un petit peu explosé, ce qu'on appelait le linking externe, où vous aviez des sociétés qui passaient leur temps à faire des liens, puisqu'il paraît-il, ça faisait augmenter le référencement des sites, même si moi j'ai toujours eu une théorie qui n'était pas celle-ci, il n'y avait pas besoin de faire de liens pour cartonner en termes de référencement. Par contre, il fallait avoir des compétences et du marketing, du web marketing, et pas juste du linking avec des petits logiciels. Bref, pour revenir à mon social media. Aujourd'hui, le social media peut nous permettre d'obtenir effectivement un maximum de liens d'hyper qualité. Je crée un article, je rédige un article, celui-ci est très qualitatif, il est diffusé absolument partout. Tout le monde me fait des liens qui pointent vers mon article, donc j'augmente le référencement de mon site. Si vous travaillez comme ça, là, le social media va être extrêmement efficace. C'est un petit peu ce que je vous ai mis sur les liens utiles, un article de blog avec un lien, un tweet avec un lien, une chaîne YouTube avec un lien. La démultiplication de ce type de lien, sachant que ce n'est pas artificiel, je veux dire, votre chaîne YouTube, c'est la 14 vues, le lien a peu d'utilité, par contre, votre chaîne YouTube, c'est la 300 000 vues, les liens qui sont dedans ont plus d'utilité. Le fait de tweeter avec un lien dedans n'a aucune utilité. Par contre, que 10 000 personnes vous retweetent, là, ça cartonne. Et ça, c'est pas des pseudo du travail de pseudo-agence, de pseudo-référenceur ou de pseudo-community manager qui arrivera. C'est vraiment une vraie stratégie, des vraies compétences, des vrais contenus. Là, on peut pas faire dans l'artificiel. Troisième point, la démonstration de son expertise. Là, c'est plus une accroche pour souvent pour les indépendants. Utilisez le social media pour montrer vos compétences. Je le vois, alors j'ai dit indépendant, je pourrais, je sais pas, dans la PME, fabrication de piscine, montage de piscine, ou on peut utiliser le social media avec des vidéos de démonstration du comment monter simplement une piscine. Essayez vraiment de travailler là-dessus. Petit blog, même pas nécessairement, on peut passer par un scoop-it, mais du contenu, montrez ce que vous savez faire, comment vous savez le faire. Aidez les gens. On dit toujours sur le web. Donner avant de recevoir. Bah là, faites-le. L'exemple, ce que je suis en train de vous faire, des modules de formation, des outils, démonstration d'expérience. Et vous verrez que cette diffusion-là, sur les réseaux sociaux professionnels, notamment type via de LinkedIn, aura une très très forte, aura une très forte efficacité. Ça vous donnera beaucoup de retours si vraiment vous avez mis en avant une réelle expertise.